Allez, salut, salut les gars, voilà, salut du monde, c'est Mospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc comme je vous avais dit, voilà, c'est la vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord chercher à faire l'admission, mais d'abord, on va s'inscrire sur le site et chercher à faire l'admission. Et n'oubliez pas, une fois que vous faites l'admission, ça veut dire que vous êtes directement reconduit pour chercher, pour avoir la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va pas durer, comme ce que je vous avais dit, voilà. Je ne ferai plus de longues vidéos, donc les gars, on y va et c'est tout. Eh bien les gars, donc je répète encore une fois, c'est le site qui est là. Maintenant, pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo, voilà, vous pouvez regarder en description. Il y a une vidéo qui donne un peu en description ou bien en commentaire. Il y a une vidéo qui donne un peu plus d'informations sur les documents fournis. Voilà, j'ai fait une première vidéo. Donc vous pouvez suivre cette vidéo d'abord avant de venir ici pour pouvoir postuler. Voilà, donc ici, on va aller un peu plus vite. Donc on va venir sur Apply, voilà, on va venir sur Apply et essayer d'avoir l'admission, voilà, et une fois qu'on a l'admission, maintenant on va essayer d'avoir le bourse conditionnel. Comment est-ce que ça fonctionne, n'oubliez pas, voilà, en attendant que le site charge. Attendez un peu, donc n'oubliez pas, pour en ce qui concerne les dossiers, il faudra traduire tous les éléments en anglais, voilà. Et n'oubliez pas aussi, il y a un montant de 300$ à pouvoir payer pour qu'ils puissent suivre vos dossiers. Sinon, ça sera pas la peine. Donc, si le site ne me permet pas de poursuivre, alors je vais m'arrêter là où je pourrais m'arrêter, voilà. Donc, on va attendre que le site charge, comme ça vous allez voir comment est-ce que vous devez faire. Voilà, donc j'ai décidé comme ça de postuler à chaque instant au bourse pour que vous puissiez les faire aussi, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui n'arrivent pas vraiment à démarrer, et quand c'est comme ça, c'est pas le but de la chaîne. Le but, c'est de pouvoir postuler. Alors, si personne ne peut postuler, alors je ne vois pas quel est l'intérêt. Donc, maintenant que le site charge un peu, la connexion est un peu plus lente. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими были веселыми. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими были веселыми. Это я, девочка Даша. И, наверное, окей, donc on continue. Donc ici, nous allons d'abord chercher à avoir la lettre d'admission. Voilà. On dit be ready for next with the overview how you move from an application to an admin student. Consider it admission process 1-1. Ok. Donc ici, on va aller chercher à postuler pour avoir l'admission. Mais d'abord, on va s'inscrire d'abord sur le site et puis on va avancer en même temps. Le site prend un peu de temps cette fois-ci, donc essayez de rester connecté un peu pour que ça puisse aller un peu plus vite. Ok.
on a application. Un instant. Le site est un peu plus lent, donc j'espère que c'est ici. Voilà, c'est ma connexion peut-être. Voilà, donc. Ok, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord chercher à s'enregistrer. D'abord, avant de venir utiliser le site, on va s'enregistrer d'abord. Ok, donc first name, prénom. Ok, l'adresse mail, vous avez dit. Ok, voilà. Ok, la suite. Ok. Après ça, on va aller maintenant sur le password. Le password, on est minimum 8 caractères. Doit contenir des nombres et des lettres. Voilà, il ne doit pas contenir votre username. Voilà, les noms qu'ils ont là ne doit pas contenir, ne doit pas appartenir à votre password. Donc, dans un premier temps, il prend une lettre majuscule. Ok, j'espère que ça ira. Ok, donc ça marche. J'espère que ça va. Donc on va créer le compte. Ok, donc je considère que on va recevoir un mail. Voilà. Donc on va aller voir dans ce mail ainsi essayer de confirmer. Donc on dit quoi? On dit welcome to me. Your feature start here. Donc ici start in applications. First here transfer postgraduate. Donc vous allez voir que si j'essaie d'aller directement ici first here pour la première année pour ceux qui viennent. Voilà. Donc je vais cliquer sur first here et puis get start. On va continuer. Une fois que vous finissez, vous voyez c'est cette page qui vient. Comme ça, vous allez pouvoir continuer et chercher à remplir et chercher votre admission. Voilà. Donc, voici les éléments qui sont là. Vous voyez, il y a combien de cases à remplir? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment assez de choses à remplir. Donc, on y va. Donc ici, c'est bon, le numéro de téléphone, c'est ça, c'est en même temps le numéro de téléphone pour pouvoir me joindre. Ok, type of phone, mobile. Date birthday, comme je viens pour la licence, comme ça je vais mettre I give permission to Concordia, send me an email, vous cliquez ici. Ok. Ok.
Donc, maintenant, je viens sur la date de naissance. Comme je viens pour la licence, alors je vais mettre 2002, comme ça. Le 12 ans. Le 12 ans. Deuxième mois. 2002. Les gens, hommes. Ces gens se sont mis transgras. Ok, donc homme, are you Hispanic or Latino? No. Please select one of the following race: black or African American. Donc, citizen status, foreign citizen. Donc, vous connaissez foreign citizen. Voilà. Donc, maintenant, le pays ici. Vous allez mettre, pour moi c'est Côte d'Ivoire, donc je vais prendre Côte d'Ivoire, voilà, et l'adresse, je vais mettre l'adresse comme ça, donc vous mettez votre adresse, voilà. Ok, ici la ville Abidjan. Ok, province. État ou province, un instant. Ok. Ok, zip code, code postal 05 ou bien 12 BP. Ok, après cela, will you military? Will you qualify for education benefit from the military? No. Ici, on vous demande est-ce que la qualification de l'éducation est bénéfique pour le militaire? Ok, ici dans les normes, le state doit répondre. Donc, ça ne répond pas. Ici, ça va passer. Si on vous demande de revenir, vous allez revenir. Élément de base manquant. Ah, ici, what is your country of success? Côte d'Ivoire, ici. Ok. Donc, on avance. Regardez très bien ici. Dans les normes, si vous avancez, l'élément qui est là, voilà, vous voyez, ça avance avec vous. Ok. Education background. When do you plan to enroll to Concordia? When, ici, vous prenez fall 2021. Voilà. Et while at Concordia, would you like to study? Donc ici, qu'est-ce que vous voulez étudier? Ceux qui veulent faire la musique, studio art, biologie, économique, management information, chemistry. Bon, moi je considère que je vais faire la chimie. Select additional, ok. Select additional area of interest. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez faire encore après la chimie? Vous voulez quoi après la chimie? Prenez quelque chose qui est en relation avec la chimie pour ne pas qui se disent que vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc vous allez, je vais prendre par exemple voilà, je vais prendre par exemple comme ça, dentiste. Have you taken the health? No. On vous demande est-ce que vous avez le certificat de le certificat pour pouvoir postuler, le certificat d'anglais, voilà, le health. No. No, I will not be taking it. Donc, vous mettez non, je ne vais pas le prendre. Ou bien, no. Ceux qui vont mettre no, I will not be taking it. C'est ceux qui sont peut-être. Ils ont étudié en anglais. Voilà. Quand c'est comme ça, eux, ils ne sont pas obligés d'avoir ce certificat pour pouvoir étudier. Donc, no. Have you taken the TOEFL? No. Voilà. Maintenant, si vous l'avez, vous mettez yes. Voilà.
test optional. Do you want Concordia to determine admission status without a test ACSTC score? Yes. Voilà. Donc, vous ne serez pas obligé de remplir les tests avant de pouvoir postuler. Maintenant, si vous voulez passer un test avec eux en ligne, voilà, vous pouvez aussi dire oui. Ils vont vous dire de faire un test avec eux. Et lorsque vous passez le test, ils vont vous dire maintenant si vous êtes éligible ou pas. Please share your statement indicating your reason to choose test optional. How additional statue without a test. Donc ici, vous n'avez pas rempli. Voilà, vous laissez. If you have participated in any program of Concordia Language Village, please select the languages. Ok, donc ici, on nous demande si vous avez participé à un programme de Concordia. Choisissez la langue. Vous pouvez choisir French. Ici. Voilà. Vous cliquez deux fois sur French et ça apparaît ici, c'est tout. Vous choisissez French, vous choisissez anglais. Voilà, les deux. Ah, j'ai choisi arabe. Pas arabe, mais anglais. Anglais. Voilà. Donc, have you participated in a college access program? Non. High school information. High school name. Ici. If you can't find your school above, please select this box to enter your high school. Ok, donc c'est pas sûr que vous ayez vraiment votre école ici. Donc vous allez taper le nom de votre école ici. Ou bien d'abord, je vais d'abord chercher et ensuite voir si je vais trouver. Ok, je vais prendre par exemple le nom de mon école. Je vais prendre. Je vais mettre par exemple comme ça. Avec Aria, Technical. Je vais mettre d'abord le pays, comme ça. Ils vont un peu s'orienter. Que. Ok, donc si ça ne sort pas, alors je vais essayer de remplir moi-même l'école. Voilà, donc je vais cliquer sur ici, sur if et tout ça. Et vous remplissez l'école ici. Donc si c'est lycée municipal de Kumasi, vous remplissez lycée municipal de Kumasi. Et puis vous mettez la ville où se trouve le lycée. Voilà, Abidjan. High school province. High school province. Ça c'est pas important. High school. Ça c'est pas aussi important. Vous avez déjà mis le premier, c'est bon. Graduation, c'est quand est-ce que vous avez eu le diplôme de baccalauréat. Peut-être comme on est nous allons en 2021, on va mettre 2020. Donc le mois c'est en juillet 2020. Voilà. High school GPA. Donc vous avez eu combien de moyennes comme ça, ou combien de notes. Quand vous mettez la moyenne, par exemple, si vous avez 12 sur 20, voilà. Is it your current school? On vous demande, est-ce que c'est votre école actuellement, est-ce que vous fréquentez toujours dans cette école? Si c'est par exemple pour les universitaires, voilà. Si non, vous mettez non, voilà. Have you earned college credit? Ok, ici on dit si c'est non, ils ont fait afficher encore. What was your reason for leaving? Ici, vous mettez comme ça. On vous demande quelle est votre raison de quitter l'école. Si ce n'est pas votre école actuellement, alors quelle est votre raison de quitter l'école? Vous mettez admission. Another. Vous mettez admission in another university. Voilà. Il y a mon clavier qui déconne, alors je ne veux pas
que vous mettez admission in another university. Ok, donc, have you previously attended college? Ok, ici on dit guidance counselor. Vous comprenez que ça sera vraiment. On va essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas faire de longues vidéos. Voilà, comme je vous l'avais dit, je ne veux plus faire de longues vidéos. Donc, on va essayer de le faire un peu rapidement. Donc, ici, accommodation, je vais mettre en français. Comme ça, ça va arranger tout le monde. Voilà. Y a-t-il hébergement, y a-t-il des aménagements ou des services, y compris ceux basés sur la santé, économie, dont vous auriez besoin enfin d'enrichir votre déplacement scolaire au Concordia? Y a-t-il des aménagements, y compris ceux basés sur la santé? Non. Voilà, étape suivante. Vous allez à l'étape suivante. Donc, ici, on va essayer d'avancer pour vous montrer un peu quels sont les éléments que vous devez remplir pour pouvoir postuler normalement. Voilà. Sinon, si je veux moi-même finir tout ça, ce sera vraiment un travail colossal. Je vais d'abord finir de tout remplir avant de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. C'est pas normal. Donc, vous allez avancer. Vous allez avancer et essayer de le faire. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que lorsque si je ne remplis pas, je ne peux pas avancer. Vous voyez, vous-même, voilà. Donc, ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est lorsque vous finissez, à la fin, il y aura parmi ces trois éléments qui sont là, il y aura l'élément là où vous devez solder les $300 avant qu'ils ne vérifient vos documents. Voilà. Donc, une fois que vous soldez, ils vont vérifier vos documents, ils vont vous envoyer l'admission et vous serez reconduit directement pour la bourse. Et si vous avez la bourse, ils vont vous envoyer aussi un message pour vous dire que vous avez une bourse que vous pouvez venir étudier normalement et gratuitement. Voilà. Donc, on va essayer de faire comme ça. Je ne vais pas finir parce que la vidéo sera tellement longue, très 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 longue. J'espère que vous compreniez. Voilà. Donc, les gars, à plus. Et puis, c'était moi de Sam Hospita. Ceux qui veulent toujours de l'aide, ceux qui veulent que qu'on poursuive pour eux, ou bien ceux qui demandent des questions, qui posent des questions, vous pouvez écrire inbox, voilà, via le numéro WhatsApp. Voilà, nous sommes toujours là. Et à plus, les gars. Voilà, donc.